C'est une décision de la ville de Bruxelles de ne pas achever ce site qui, vous le savez, est un site célèbre à Bruxelles puisqu'il a été le lieu de l'exposition universelle de 1958 et qu'il accueille plusieurs centaines de milliers de visiteurs par an. C'est un projet dont l'approche conceptuelle, l'approche architecturale et urbaine conceptuelle procède de la mixité des fonctions. C'est-à-dire que c'est un projet qui fait le pari de mettre ensemble des fonctions qui en général sont séparées dans les villes, de les rapprocher, quelquefois même de les superposer, pour fabriquer un bloc urbain cohérent. Les commerces sont le socle du projet, c'est-à-dire que ce projet a besoin d'un socle important sur lequel il va s'appuyer. Donc le premier geste, le premier élément de la programmation de ce quartier, ce sont les commerces et le loisir. Et donc les loisirs, eux, se répartissent en loisirs indoor avec les cinémas et les spirou landes, et en loisirs outdoor aussi pour continuer et réaffirmer la vocation sportive du site, puisqu'il y avait autour de ce site de nombreux terrains de sport qui sont maintenus, qui sont remis en état, des parcours de jogging, de course, nous maintenons la vocation sportive de ce site. Et évidemment, nous aussi réaffirmons dans les loisirs la vocation culturelle du site en agrandissant et en revisitant complètement le site de Mini-Europe. Il y a également des logements qui forment une autre partie puisque c'est un quartier habité. C'est-à-dire que c'est cela qui fera la grande différence avec les grands centres de commerce que l'on a vus dans la périphérie des villes. Là, nous fabriquons un bloc urbain qui rend un service commercial régional, mais aussi local, c'est-à-dire que les logements qui vont venir s'agglomérer à ce projet s'imbriquent profondément avec la fonction commerciale. Une avenue au bas de Schropper complètement redessinée, avec des circulations douces, des vitrines de commerce qui vont descendre jusqu'en bas de l'avenue, des entrées d'immeubles de plein pied, un tramway qui sera distribué sur cette avenue et qui contribuera aux circulations douces et aux transports en commun. Et au centre du projet, une grande ouverture couverte par une grande verrière agrémentée d'une passerelle de verre qui va traverser cet espace, qui sera une place publique ouverte aux activités de quartier. Alors ce parc est très important, ce parc de 3,5 hectares est très important parce qu'en réalité il forme une sorte de promenade ouverte au public et qui permet de passer du bas du site, c'est-à-dire du niveau de l'avenue au bas de Schropper, jusqu'en haut du plateau. Et cette déambulation va se faire naturellement en montant tranquillement d'un espace à l'autre, en franchissant des petits parcs, des jardins, des pocket parks, des fontaines, des cascades, des jeux d'enfants, jusqu'à ce qu'on atteigne le sommet du plateau. Cela représente à peu près 20 mètres de différence de niveau entre l'avenue au bas de Schropper et le plateau, et cela doit se faire naturellement par une déambulation agréable au travers du parc. Le fait d'avoir rapproché les fonctions les unes dans les autres, d'abord, nous permet de faire ce qu'on appelle maintenant un smart project. C'est-à-dire, smart project, ça veut dire que nous agglomérons les fonctions et que nous faisons circuler les énergies d'une fonction à l'autre. Voilà, pour vous donner un exemple trivial, par exemple, l'été, les commerces qui ont besoin de frais pour la clientèle utilisent des pompes à chaleur qui, elles, pour faire du frais, rejettent du chaud. Et ce chaud, en général, est perdu, c'est-à-dire on le rejette dans l'atmosphère. Et quand on fait une smart grid, c'est-à-dire qu'on utilise les valeurs de durabilité, on récupère ce chaud qui, lui, est redonné au logement, parce que même en plein été, vous prenez des douches, vous prenez des bains et vous avez besoin d'eau chaude. Autrement dit, toutes les énergies vont être mutualisées d'un équipement à l'autre. Les eaux sont récupérées, les taux d'humidité sont évalués, c'est-à-dire que ce projet prêtera une très grande attention à l'écologie urbaine et aux valeurs d'économie d'énergie.